Allons ici et on va revenir aussi en arrière parce que à la date le 23 juin, je l'ai vu ça sur Internet. J'ai vu ça sur Internet. Souvenez-vous, exactement à la date le 23 juin, c'est là qu'on a vu sous Marduk. Souvenez-vous, en France, à leur assemblée 666 de la religion reptilienne, donc liée à leur politique, souvenez-vous, ils sont tous venus, on les a vus rentrer, on vous a dit, mais avec le masque 666 de Marduk. Mais ça, c'est Marduk qui a fait exprès. Souvenez-vous de ça à la date le 23 juin. Et en plus, qui trahit Marduk. Et j'avais compris sur ça depuis un moment, sur ça. À la date le 23, que quand j'ai vu ça, que les politiciens, on vous a montré les politiciens à l'assemblée 666 de la religion reptilienne, donc qui définit, qui fait le lien à la politique de la religion de Marduk. On les a tous vus avec le masque. Tous, ils avaient des masques. On a la preuve sur ça. Mais ce qui trahit Marduk, ce qu'il a montré à la date le 23 juin, ici en France, à l'assemblée démon de Marduk, ça s'est passé exactement juste après l'éclipse. Et c'est ça qui trahit Marduk. Avez-vous remarqué qu'on voit ça de ce qu'on vous dit imposé? Marduk impose son masque démon 666, donc qui s'appelle et qui est le diable mascarac. Avez-vous remarqué sur ça? On voit ça, mais après l'éclipse. Après l'éclipse fatale de Dieu. Donc là, c'est Marduk qui montre, comme je vous ai expliqué, le diable, le dragon rouge. Christ à la Marduk, il se trahit. Et se contredit de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que en faisant comme ça, en disant masque obligatoire aussi dehors, à l'extérieur. Là, c'est Marduk, comme je vous ai expliqué, qui montre la vérité que Dieu va le tuer. Ce qu'on voit là, ça veut dire que vous êtes dans la fin du monde fatal. Dans la fin du monde fatal, et là, Marduk, il montre la vérité, il sait que Dieu va le tuer, il sait que Dieu va couper sa tête de pute. C'est ça qu'il montre Marduk. Là, vous avez la fin du monde fatal devant vos yeux. C'est pour ça qu'il faut bien revenir. Moi, je m'en souviens, j'ai été sur Internet, et j'ai vu vite fait sur ça, une petite vidéo. Et qu'on vous a montré qu'ils ont dit oui, aujourd'hui c'est exceptionnel, donc tous, il faut que tous ceux qui sont à l'Assemblée, si, donc ils disent national, parce que national ça se dit. Et en France, je m'en souviens, ils ont dit oui, obligatoire de mettre le masque. À la date le 23 juin. Exactement à la date le 23 juin. Vous avez même sûrement la vidéo aussi sur Internet qui montre la preuve sur ça. Mais ce qui est flagrant, c'est juste après l'éclipse fatale de Dieu, mais aussi à la date que Caïn a eu l'anniversaire de Sabrina. Donc tout ça trahit Marduk de tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, Marduk, il montre la vérité qu'il sait sur le retour du monde Horus de Dieu Isis. C'est ça qu'il montre. Et là, en faisant comme ça, il montre la fin de Christ. Il montre qu'il a peur de Dieu. Marduk, il montre qu'il a peur de Dieu. Marduk, il montre la fin du monde fatal. Marduk, il montre sur la fin de Christ. Il montre que Christ a perdu et ne gagne pas. Et il montre la vérité que Dieu Isis va tuer le cinquième monde et va tuer la sixième planète. C'est ça qu'il montre Marduk en faisant ça. Vous avez compris sur ça. Tout le trahit. Parce que pourquoi? 1906 définit, à l'âge de 48 ans, Patricia tuera ce monde. Voilà. Et qui donne 2016? 1906 définit, à l'âge de 48 ans, Patricia tuera ce monde et qui donne 2016. Donc là, Marduk se trahit. Il se trahit. Là, il a montré qui c'est la vérité sur Patricia. Là, en voyant ça, vous avez la preuve absolue que Christ à la Marduk, les religieux, aussi bien le pape et les politiciens, ils savent la vérité sur Patricia, sur le 3 septembre.
que quand elle va avoir 48 ans, donc tout ça vous trahit les religieux du Christ.